parmi tous les absents auxquels Solskjaer est confronté, il y en a qui sont de différentes gravités, j'allais dire. Mais le plus important, c'est évidemment Paul Pogba, qui est vraiment le dynamiteur du milieu de terrain et surtout qui pouvait jouer potentiellement numéro 10 derrière les deux attaquants Rashford et Lukaku s'il avait joué avec deux pointes en 4-4-2 avec un milieu en diamant. C'était vraiment le joueur décisif au milieu de terrain qui apportait le danger et c'est clair que Solskjaer va être en grande difficulté sans son meneur de jeu français. D'un point de vue tactique, je pense que idéalement, il voulait jouer avec deux pointes. Cette rencontre, c'est-à-dire avec un numéro 10 et deux attaquants de pointe, c'est comme ça qu'il a souvent abordé les matchs à l'extérieur contre des grosses équipes. S'il veut rester dans ce schéma-là, peut-être la solution pourrait être de jouer avec Pereira, un jeune Brésilien, et c'est un joueur qui a peu d'expérience à ce niveau. L'autre solution pour Solskjaer pourrait être d'évoluer en 4-3-3. C'est le système avec lequel il avait joué le match aller. La difficulté qu'il va rencontrer là, c'est de trouver trois titulaires de très haut niveau pour le front de l'attaque. C'est sûr qu'il jouera avec Lukaku en pointe, sans doute Rashford sur un côté, mais on n'est pas certain finalement que Martial soit rétabli. Pour l'instant, il y a très peu de chances qu'il le soit. Dans ce cas-là, c'est sans doute Diogo Dalot, qui est un jeune portugais qui a 19 ans, qui n'a pas beaucoup joué quand même cette saison, qui serait titulaire sur le flanc droit. Ce qui est fascinant quand on écoute l'entraîneur de Manchester United et plusieurs joueurs, c'est à quel point ils sont persuadés que l'exploit est possible. Depuis que Solskjaer est arrivé, il y a eu 16 rencontres. À part la défaite contre Paris, il n'y a eu que des victoires sauf deux nuls. Donc ils sont sur une dynamique très positive. Et c'est aussi l'idée que Manchester United est un très grand club et que historiquement, le club a déjà réalisé ce genre d'exploit.